Nous avons les moyens de vous vacciner. Choisissez. AstraZeneca, Moderna. Pfizer. Bienvenue au bal des vaccinés. Sans ton pass sanitaire, pas de resto, pas de ciné. Des mesures qui atteignent la liberté. Dictature bien masquée, pas mal un plan bien travaillé, il fallait y penser. Les jours sont devenus mauvais depuis cette épidémie. On se demande comment est venu ce virus qui touche tous les pays. Dès son arrivée, les médias nous annonçaient que les contaminés étaient sûrs d'y rester. Ce fut partout la panique, confinement après diagnostic. Dans les rues, des morts étalés devant les boutiques. Des images dramatiques, puis détection de variants encore plus méchants, mais cette fois-ci rien d'alarmant, positif et bien important. Et puis dans la foulée, très rapidement interviennent nos savants qui mettent en place la découverte du vaccin que l'on attend. Pas sûr à 100%, Nuremberg c'est du vent. Les codes on les oublie, les dépasse quand il s'agit d'argent. Non, je ne veux pas me faire vacciner. C'est mon choix, on n'a pas à me l'imposer. Non, je ne veux pas me faire vacciner. Ma santé m'appartient, personne ne doit en décider. Nous avons les moyens de vous vacciner. Moi, je veux pas me faire vacciner, hein. Tu sais pas ce que ça peut faire. Tu peux choper le Covid quand même, hein. Une fois ou deux fois même. Et toi, c'est quoi ton vaccin? Et si tu n'es pas vacciné, on va dire que ce n'est pas normal que tu aies un danger. Partout des messages qui viennent nous forcer, jusqu'à te licencier sans solde, sans ressources pour qui veut résister. Au temps de la grippe espagnole qui a fait bien plus de ravages, y avait-il un pass sanitaire, le même principe de chantage? Non, je ne crois pas, pour moi tout est organisé. Toujours dans le même but, nous mettre des chaînes aux pieds. Un temps difficile qu'il nous faut traverser sans savoir où cela va pouvoir nous mener. Je crois avoir mon idée pour pouvoir tout changer, à servir l'être humain doucement habitué. Dans mon pays qui représente la liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui on sanctionne qui ne veut pas marcher dans les idées qu'ils veulent instaurer. Votre vaccin, désolé mais ça pue. L'hypocrisie d'un système ambigu. Non, je ne veux pas me faire vacciner. C'est mon choix, on n'a pas à me l'imposer. Non, je ne veux pas me faire vacciner. Ma santé m'appartient, personne ne doit en décider. Non, je ne veux pas me faire vacciner. C'est mon choix, on n'a pas à me l'imposer. Non, je ne veux pas me faire vacciner. Ma santé m'appartient, personne ne doit en décider. Tous les moyens sont employés pour vous attirer à vous faire vacciner. De plus en plus la main est forcée sur ma liberté, ma façon de penser. Qui a le droit de décider de mon bien-être, de me faire comparaître? Quand il s'agit de ma santé, moi seul en est maître, en est maître. Laissez le choix à ceux qui n'en veulent pas. Votre dictature, on n'en veut pas. Les anciennes pandémies ont su s'en sortir sans ces règles qui veulent nous asservir. Non, je ne veux pas me faire vacciner. C'est mon choix, on n'a pas à me l'imposer. Non, je ne veux pas me faire vacciner. Ma santé m'appartient, personne ne doit en décider.